C'est quelque chose de collectif. Monsieur le directeur de cabinet de l'Assemblée nationale de la République du Bénin, monsieur le maire d'Abomey-Calavi, monsieur le général, mesdames et messieurs, oui, monsieur plutôt le parrain et le marais du Black History Month, madame l'ambassadeur du Venezuela ici en République du Bénin, madame la présidente du jury du concours international Parlement Espérante, mesdames, messieurs les distingués et ceux qui seront effectivement honorés ici ce soir. Mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, à ceux-là même qui font que nous sommes là aujourd'hui, les pionniers, maires et pères, je vous demande de les applaudir très fort. Nous ne faisons que modestement suivre les pas de Mère Hyperja et de tous nos aînés. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez applaudir du haut de ses 17 ans, ma maman spirituelle qui a fait le voyage, Madame Dei Marifa. Je l'ai dit et répété, si je suis là, c'est parce que cette femme que vous voyez là a planté une graine en moi, en étant la présidente de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec. Quand elle était encore, elle a lancé une fois, mais elle ne comprend pas pourquoi les pays africains n'ont jamais célébré le mois de l'histoire des Noirs, comme ça se fait aux États-Unis, comme ça se fait au Royaume-Uni et comme ça se fait au Canada. Avec l'ONG Africa Mondo et le réseau international des jeunes leaders francophones que j'ai créé en 2017, on est présent dans 23 pays, dont 18 en Afrique francophone, et dont l'une des antennes la plus brillante reste le Bénin. Et c'est dans ce sens aussi que j'avais rencontré Monsieur le maire en 2018. Il avait ouvert la porte et il nous avait reçus. Je vous demande d'applaudir très fort Monsieur le maire de Montréal. C'est en faisant tout ce que je fais aujourd'hui que je me rends compte qu'il y a longtemps qu'ensemble nous plantons et nous semons les graines. Et les fruits, ça prend du temps à pousser. Les fleurs prennent du temps à fleurir. Dans ce monde d'instantanéité où tout va vite, on pense que tout va à la vitesse de l'éclair, comme WhatsApp, comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram et tous les réseaux sociaux. Ce que nous sommes en train de faire ensemble prend du temps. Et ça prendra du temps à germer dans l'esprit de certains. Ce soir, nous célébrons la pensée et la conscience africaine. L'Afrique, avec les Africains nés sur le continent et les Africains qui ont été réduits en esclavage et qui ont été déportés. Il y a un texte, d'ailleurs, ce soir qui sera lu par l'un de nos compatriotes qui travaille activement avec un groupe en Guadeloupe. Les contributions viennent de toutes parts, parce que le mois de l'histoire des Noirs nous appartient à tous. On peut l'appeler le mois des mélanodermes,
on peut l'appeler le mois de l'Afrique, on peut l'appeler le mois de tout ce qu'on veut, mais il est important que nous célébrer notre histoire commune, afin que nous puissions découvrir qui nous sommes avec nos propres mots et avec nos propres regards. Savoir d'où l'on vient pour savoir où on va, c'est tout le sens de ce que nous sommes en train de faire. J'ai plutôt une pensée particulière à l'endroit de toute mon équipe. Je vais leur demander de me rejoindre ici, vite, vite, vite. Tous ceux qui portent le t-shirt Black History Month Africa. S'il vous plaît, allez, vous allez vite. Je voudrais demander à Barthélémy Onsou de me rejoindre également, parce que tout ceci est possible aussi et surtout grâce à toute cette équipe. Ce sont là, tous ceux qui arrivent là, les artisans du mois de l'histoire des Noirs en Afrique. Ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes. Plus jamais on ne leur dira que les jeunes ne s'intéressent pas à leur histoire. Plus jamais on ne dira que les jeunes ne sont pas motivés à savoir qui ils sont. Micheline m'amène ici ma conférencière internationale préférée. Parce qu'en réalité, je parle de la jeunesse, cette génération que nous représentons, mais permettez-moi de dire que nous sommes nous-mêmes dépassés et que la génération, c'est Ismaïla Gambassé-Moura. En réalité, c'est elle qui représente la même génération. Cette génération qui, demain, fera une Afrique merveilleuse, une Afrique rayonnante. Une Afrique formidable. Cette Afrique que nous avons aujourd'hui. Et plus jamais, personne ne pourra dire que nous sommes divisés parce que nous travaillons dans l'union. Nous travaillons en communauté. Et je suis fière de vous. Vous pouvez vous applaudir, vraiment. Puissions réussir le mois de l'histoire des Noirs. Est-ce que nous sommes en train de réussir le mois de l'histoire des Noirs? Kiniwe! Grandeur nature, à quel point on est reconnaissant pour ce que vous faites. Merci à vous d'être des bâtisseurs de l'Afrique. Rassemblez ça. Merci. C'est vrai qu'on peut dire bon tout. Nous sommes, parce que nous sommes, je vous dis, parce que nous sommes, il y a vraiment bien une seule de nous qui obéit ce manifeste. C'est la divinité qui nous a réunis ici ce soir. Et nous, si nous acceptons ce trophée symbolique, c'est parce que nous savons que c'est un devoir pour nos amis de pouvoir amener. Nos ancêtres qui sont partis hier ont été rasés, déportés et réduits à l'esclavage dans les Amériques et dans les Caraïbes pour pouvoir mener à bien une mission parce qu'il fallait sauver ce continent. Aujourd'hui, si ce continent existe encore, c'est parce que nous y avons œuvré par nos ancêtres. Nos ascendants, ce sont des hommes blancs. Et c'est pour ça que c'est pour eux que nous acceptons ce continent. Et que nous continuerons toujours à vous guider. Mais sachez que vous marchez devant, mais sachez que nous sommes toujours derrière. Nous aussi, nous marcherons dans vos pas maintenant, parce que vous allez vivre. À santé, Sana. Les grands merci, Mélinda. Merci à vous tous. Ça fait chaud au cœur d'être reconnu. Mais je crois qu'il faut aussi qu'on reconnaisse nos enfants, parce que sans eux, nous n'aurions pas pu le faire. Ils ont accepté tout ce que les parents ont demandé, de quitter la famille là-bas,
en Guadeloupe, les grands-parents, tout ça, et de venir avec nous dans cette aventure. Donc je demande à Tiawadza d'être présent. Et je sais qu'ils sont fiers ce soir. Oui, on est très fiers des parents et peut-être de la mission. Merci. Merci beaucoup, la génération montante. Merci infiniment. Et ce sont les pionniers, ils le resteront à tout jamais. Merci pour la route que vous avez tracée et on va continuer modestement. C'est-à-dire, c'est le nom d'origine donné par mes ancêtres Congo. Car mon autre nom de mon époux, c'est Troupé. J'avoue, bof, et je le porte sur le pied. Je suis accompagné de Benzo, l'homme au chapeau, qui m'accompagne, voilà, depuis la Guadeloupe, d'où nous venons. Benzo et moi sommes donc Guadeloupéen, mais d'origine Congo. C'est un grand honneur pour nous d'être accueillis ici parmi vous, en ces lieux hautement symboliques et riches en signification. En effet, si de nombreux Antillais sont originaires d'ici, il y en a qui sont partis de la contrée Congo, comme c'est notre cas. Les ancêtres dont nous descendons étaient sortis précisément de la côte congolaise, c'est-à-dire après noir. Souvenez-vous que la décision d'abolir l'abolition, d'abolir l'esclavage, n'était pas attendue par de nombreux propriétaires. Lorsque les esclaves furent affranchis, une grande pénurie de main-d'œuvre se fit sentir occasionnant donc la baisse de la production dans les plantations. Le seul moyen de remédier à cette pénurie était d'aller chercher de la main-d'œuvre en Afrique, en Asie et ailleurs, en lui attribuant le statut de travailleur engagé sous contrat. Embarqué depuis le site de Tchivelika au pays Luango, dans l'actuelle République du Congo, la famille Massambo arrive sur l'île de la Guadeloupe en 1861. Elle fut gardée près de Pointe-à-Pitre avant d'être acheminée à Capesterre-Belo, où j'habite toujours, dans une habitation Cambrefort-Beauhavre. Là, nos arrière-grands-parents connaîtront donc le même sort que les anciens esclaves. Alors que de nombreuses familles nouvellement arrivées en Guadeloupe, encore proches des traditions culturelles de leur pays d'origine, cherchaient à se rapprocher progressivement du mode de vie et de la culture des Guadeloupéens acculturés. Nos arrière-grands-parents opposaient une attitude de conservatisme défensive. Ils tenaient à conserver ce qu'ils avaient de plus cher et qui faisaient leur identité Congo. C'est-à-dire, leur tradition culturelle Congo qu'ils ont transmise à toute leur descendance de génération en génération. En effet, nos arrière-grands-parents nous disaient surtout de préserver et de perpétuer le nom Massambo et tout ce qui s'y rattache comme tradition culturelle, quoi qu'il arrive. Dieu seul sait combien le fait de manifester publiquement nos traditions culturelles, notamment à travers une cérémonie appelée Rapa Congo, mêlant danse, chant et autres rituels. Nous avons été longtemps marginalisés, stigmatisés, moqués et traités en paria. Cette cérémonie que nous faisons en mémoire de nos ancêtres de tous les ans, la nuit du 1er au 2 novembre à Cambrefort-Beauhavre, sous les terres des Massambo. Les Massambo et notamment leur cérémonie Rapa Congo ont déjà fait l'objet d'une étude
anthropologique par un anthropologue congolais, M. Justin Gantoulou, enseignant-chercheur à l'Université de Lille. Désormais, le Papa Congo fait partie culturelle de la famille et de toute la Guadeloupe. Je vous remercie. Bon. C'est vrai que les gens ont dit que j'ai été dans une élevée dans ma famille à chanter en Kikongo. C'est vrai, je me posais souvent la question, mais qu'est-ce que je chantais là? Parce que je suis bien en Guadeloupe. Je vais vous chanter une chanson en toi. Seule chose, avec mon accent créole, bof, vous allez comprendre. N'est-ce pas, Père Jean, Père Jean? Alors, voici ce que ma maman m'apprenait à chanter. Et quand je suis partie au Congo et que les historiens, les chercheurs sont venus me retrouver, là, ils m'ont dit, Marie-France, les hommes, on retrouve un petit peu le Congo, mais celui-là, elle est restée neutre. On comprend très bien ce que tu nous dis. Alors, je vais chanter. Hein? Benzo, tu veux m'aider? Mwanango, Dja, et Mwanango, et Mwanango, et Mwanango, Yambe Mwana Yaswe, Kapuna Tadija Kalunga, Yambe Mwana Yaswe, Kapuna Tadija Kalunga, Mwanango. Ne me dites pas que je suis venu dans un enterrement, vous dormez. Vous me répondez, Toudia. Ok? Toudia. Mwanango. Eh, mwanango. Eh, mwanango. Eh, mwanango. Yame mwana yaswe, makuna tatita kalunga. Yame mwana yaswe, makuna tatita kalunga. Mwanango. Mesdames et Messieurs, plus de 17 chansons, ils ont gardé plus de 17 chansons du gala quand nous sommes allés en voyage de retour aux sources à l'Université de Kwabi, et au ministère de la Culture, pour aller voir comment les sociologues, il y a ceux qui pleuraient, qui étaient en train de traduire les chansons. Tout ça, on a gardé plus de 165 ans. Et voilà, sans faire trop de pub, vous allez dans Google, YouTube, vous cherchez Marie-France Masango ou bien Grappa Congo, et de là vous saurez tout. Je vous remercie. C'est pas fini, voilà. Le cas, disons merci. Mais vivant, je viens. Des fois, m'appeler Chloïs. Le cas, disons merci. Vous répondez bien merci. C'est une improvisation que j'avais fait lorsque je suis à Ngala et au port. Vous répondez bien merci. Dieu, Benzo, toi qui enseignes le créole. Merci. Bien merci. Nuka, disons merci. Bien merci. Nuka, disons merci. Bien merci. La Poisouka, disons. Bien merci. Mais Nuka, disons. Merci, Mamelina. Merci, Akuta Mondo. Merci. Nuka, et c'est plein. Je suis entendu pour ça. Bien merci. Bien merci. Nous quatre disons merci. Bien merci. Nous quatre disons merci. Bien merci. Mademoiselle Belinda. Nous quatre disons merci. Bien merci. Merci, monsieur Benzo. Bien merci. Merci, mademoiselle Chantal. Bien merci. Merci, mademoiselle Corinne. Bien merci. Nous quatre disons merci. Bien merci. Nous quatre disons merci. Merci pour mon guila. Merci pour mon guila. Merci. Nous gardons votre merci. Merci. Bravo, merci, merci. Merci, Melina. Je remercie Africa Mundo. C'est la première fois que je viens au Bénin. Bon, je suis arrivée seulement vendredi soir. Mais là où je suis tombée amoureuse, c'est quand on m'a amenée à
janvier. Alors donc c'est sûr que je reviendrai avec mon mari et mes enfants. Yes. Je reviendrai. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va accompagner Madame Asselineau. Merci beaucoup de nous avoir réveillés. Merci au travail. Thank you.
Song, 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 song
C'était
envie de voir la personne qui les a créés. Ganho FM mino doto webi wenu radio eno kulonu mewe radio super radio chigan ena chenu mi